Août 1945. Une bombe atomique lancée par une super-forteresse américaine sur la ville de Hiroshima va mettre le Japon à genoux. La Deuxième Guerre mondiale est finie. Au cours de la cérémonie officielle de la capitulation du Japon, qui aura lieu en septembre à bord du Missouri, le général MacArthur, commandant en chef américain, a fait venir à ses côtés le général anglais Percival, le vaincu de Singapour, et le général américain Wainwright, le vaincu des Philippines, et leur remet à chacun un des stylos avec lequel ils signent l'acte de reddition. C'est la revanche de l'homme blanc sur les petits hommes jaunes. La France est là, représentée par le général Leclerc. Quel va être le sort de l'Indochine occupée par les Japonais? Les Alliés décident que les Anglais occuperont le sud du pays jusqu'au 16e parallèle et les Chinois le nord. Au Tonkin règne depuis le début de l'année une famine épouvantable. On parlera d'un million de morts, des centaines de milliers de victimes, en tout cas. On ramasse tous les matins les cadavres le long des trottoirs. Dès l'annonce de la défaite du Japon, et avant que les Chinois n'arrivent, les Vietnamiens descendent dans la rue au cours de manifestations monstres en faveur de l'indépendance. Les Japonais ont distribué les armes de la garde indochinoise au peuple qui défile tous les jours au pas cadencé. Mot Hai, Mot Hai, une, deux, une, deux. C'est la révolution, mais dans l'ordre. Deux mille soldats français faits prisonniers par les Japonais lors de leur attaque surprise en mars sont toujours entassés derrière les barbelés de la citadelle. Quant aux civils, ils sont terrés chez eux, de peur d'être arrêtés par les Vietnamiens, comme l'a été Maître Grandjean. Nous montons l'escalier au milieu d'une haie de gens qui avaient des coutelas impressionnants et qui donnaient des petits coups de coutelas au passage. Et là, des scènes extraordinaires. Dans cette période, il ne fallait pas être gros, parce que un gros correspondait aux caricatures qu'avait répandues la presse pas forcément en Viet Minh, d'ailleurs, la presse nationaliste pendant la période japonaise. Et il y avait là donc un gros qui était le meilleur homme du monde, qui était assis sur une chaise, qui avait été attaché sur une chaise, on l'avait mis dans le fond de la salle, et les gens se précipitaient, trois ou quatre garçons se précipitaient sur lui, prenaient leur élan et lui bourraient la figure de coups de poing, il était tuméfié, enfin, etc. Alors, au moment où la nuit allait tomber, nous étions entassés dans les salles de classe, et au moment où la nuit allait tomber, où les gens qui nous gardaient nous disaient « Sang Mai, demain matin. » Tout, 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 tout. Tout, tout. Au palais de la résidence est installé un comité de salut national, créé le 19 août par le Viet Minh, un mouvement de libération dominé par les communistes. Il est présidé par un personnage mystérieux que personne ne connaît, un certain Ho Chi Minh. Oui, c'est lui, avec sa célèbre barbiche et son regard brûlant. Nguyen Ai Quoc, le vieux révolutionnaire, usé par les luttes et par les fièvres. Voilà 33 ans qu'il attend ce moment. Son jeune compagnon, Von Nguyen Giap, l'ancien professeur d'histoire et ministre de l'Intérieur. C'est l'homme fort de l'équipe. Pendant l'occupation japonaise, ils ont formé des maquis communistes dans le nord de l'Indochine, à la frontière chinoise. Ils ont pris contact avec l'OSS, les services secrets américains en Chine. Ho Chi Minh a su les séduire, leur rendre des services. En échange, les Américains lui ont envoyé des instructeurs, des armes, un bazooka et même des cigarettes américaines que Oncle Ho fume à la chaîne. Maintenant, un certain Major Patty représente l'OSS à Hanoï. Il admire Oncle Ho, le voit régulièrement et continue d'appliquer la politique de Roosevelt, pas question que les Français récupèrent l'Indochine. Le 25 août, sur la demande du Viet Minh, l'empereur Bao Dai, qui a reçu l'indépendance des Japonais, c'est-à-dire des vaincus, abdique en déclarant non sans grandeur: « Je préfère vivre
un simple citoyen d'un État indépendant que roi dans une nation subjuguée. Et je pensais que ce gouvernement, qui s'est proclamé d'être le gouvernement des Alliés, pouvait faire mieux que moi. Ho Chi Minh habite alors dans cette modeste demeure de la rue de la Soie, dans le quartier Annamite à Hanoï. C'est dans cette maison, devenue aujourd'hui monument historique, qu'il rédige la déclaration d'indépendance de la République du Vietnam. Il cite en préambule la Déclaration française des droits de l'homme et la Déclaration d'indépendance des États-Unis. Aussi, il fait venir son ami américain, le Major Patty, pour lui montrer le texte. Nous l'avons relu et un peu corrigé. Je ne me rappelais pas le texte exact de notre déclaration d'indépendance, mais j'ai tout de suite vu qu'il s'était trompé dans l'ordre des mots, le droit à la vie, à la liberté, au bonheur. Alors on les a remis dans le bon ordre. Aujourd'hui, sur l'ancienne place Badine, devenue place de l'indépendance, s'élève un mausolée à Oncle Ho, le père de la patrie. C'est ici que le 2 septembre 1945, Ho Chi Minh proclame la République et l'indépendance. Seul, au milieu de ses ministres en cravate et costume blanc, il porte une tenue kaki et des sandales. Bien peu dans la foule savent ce jour-là que Ho Chi Minh, celui qui éclaire, est le célèbre révolutionnaire Nguyen Ai Quoc, Nguyen le patriote. Mais tout le monde se souvient d'un petit incident, comme s'en souvient M. Huy. C'est que pendant le discours, il s'est arrêté, il a demandé: mes compatriotes, est-ce que vous pouvez écouter, que vous avez entendu clairement mes paroles? Alors tout le monde dit: oh bien, nous avons très bien entendu vos paroles. C'est très humain, c'est très humain. Pourquoi il avait peur que les haut-parleurs marchent mal? Les haut-parleurs ne marchaient pas bien? Peut-être parce qu'il a quitté le pays pendant longtemps, alors il n'a plus l'intonation vietnamienne comme il faut. C'est le coup de foudre. Tous les Vietnamiens sont emportés par cette lame de fond patriotique. D'ailleurs, Ho Chi Minh est très soucieux, à ce moment-là, de rallier toutes les couches de la population, comme l'a constaté un des très rares Français qui est assisté de loin à cette cérémonie. Et on a donc fait venir là le séminaire, le grand séminaire. Il y a des soutanes noires, les bonzes. Il y a les bonzes en couleur marron ou gris, suivant les... Et puis, il y a des fonctionnaires, il y a des corps constitués. Et ça n'est pas comme on pourrait se l'imaginer, une espèce de mouvement à la rude sur les bas-reliefs de l'Arc de Triomphe, avec une foule portée en avant. Non, c'est une cérémonie qu'on pourrait presque appeler mandarinal, à mon point de vue. Tout le Vietnam se rallie à la République de Hanoï. Avant l'arrivée des Anglais, un comité de libération est créé à Saïgon. Les Français éliminés, les Japonais battus. C'est le vide politique total. Vive l'indépendance, le Vietnam aux Vietnamiens. C'est un moment historique unique qu'a vécu M. Lê Thu Van, trotskiste à l'époque. On ne voit pas l'indépendance, mais on voit que c'est un moment vraiment extraordinaire où il n'y a plus personne sur votre tête. C'est extraordinaire, une occasion extraordinaire. On voit que c'est la débandade générale de ceux qui détenaient le pouvoir. Alors maintenant, il s'agit de faire quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Voici les seules images de Saïgon à cette époque. La ville est calme, mais elle vient de vivre 2 semaines de révolution, de règlement de compte, d'assassinat entre Français et Vietnamiens.
Quand le général anglais Grécy est arrivé, il a réarmé un régiment français qui a réoccupé les bâtiments publics et repris dans la nuit le pouvoir aux Vietnamiens. Par dépit, ceux-ci ont massacré 150 otages français. Alors le général anglais débordé a décidé d'utiliser les Japonais pour maintenir l'ordre. Les Japonais vaincus, un comble. Sans compter les partis politiques vietnamiens qui vont s'entr'égorger entre eux. Ah oui, c'est le Parti communiste stalinien qui avait formé le pouvoir de partout, voulait avoir à lui seul le pouvoir, en soi. Alors c'est pourquoi ils ont évincé, ou bien ils ont évincé toutes les autres tendances politiques, comme les trotskistes, n'est-ce pas, les nationalistes qui étaient pro-japonais, hein, les Wahao, les Kaudaïstes. Comment ils les ont éliminés? Mais l'assassinat. Ils ont assassiné les trotskistes, ils ont assassiné les Wahao, les Kaudaïstes. Plus tard, l'amiral Mountbatten et le gouvernement travailliste vont reprocher au général Grécy d'avoir utilisé les troupes japonaises et d'avoir outrepassé ses ordres en aidant la colonie française à reprendre le contrôle de Saïgon. Sa mission était d'accepter la reddition des armées japonaises en Indochine. Un point, c'est tout. Et l'armée française, où est-elle? Elle est à Ceylan, où le général Leclerc vient prendre la tête d'un corps expéditionnaire destiné à l'Indochine. Le général de Gaulle a décrété en effet que celle-ci devait être reconquise, les armes à la main, afin d'y rétablir la souveraineté française. En août, de Gaulle est allé à Washington. Roosevelt, qui était opposé à la présence française en Indochine, est mort. Son successeur, le président Truman, qui voit venir la guerre froide avec les communistes, accepte le rétablissement de l'autorité de la France, dit le communiqué. Pour quelle politique? De Gaulle l'a défini dans une déclaration solennelle le 24 mars 1945. La France créera une fédération des 5 pays d'Indochine dans le cadre de l'Union française. Chaque pays aura son autonomie. Mais pas question d'indépendance. La souveraineté française, c'est le maître mot. Le corps expéditionnaire français qui débarque en octobre à Saïgon pour relever les Anglais trop contents de s'en aller est plein d'enthousiasme et d'illusions. Après avoir libéré Paris et Strasbourg, ses volontaires croient venir débarrasser l'Indochine des Japonais. Ils se méfient de ces Français du bout du monde, qui ont été, dit-on, pétinistes, et qui les accueillent pourtant triomphalement dans Saïgon. Quand Leclerc arrive, sous une trompe d'eau tropicale, c'est du délire. Maintenant, c'est sûr, l'Indochine va redevenir française. Aussitôt, Leclerc lance le groupement du colonel Massu à la reconquête de la Cochinchine. Une chevauchée fulgurante pour les blindés de la 2e DB qui, en 3 mois, reprendront le contrôle des routes et des villes. Victoire trompeuse. Le Viet Minh a pris le maquis. La résistance commence. Le 9 septembre, un nouvel acteur a fait son entrée en scène, les Chinois, qui viennent occuper le nord de l'Indochine. Les Chinois, l'ennemi héréditaire des Vietnamiens. 180 000 hommes des armées du Yunnan, qu'on voit ici défiler en bon ordre à Kunming, mais qui vont arriver dans le nord de l'Indochine en véritable horde, pour l'occuper et la piller. Sous les ordres du maréchal Luan, un des hommes les plus riches de Chine, il pèse, dit-on, 30 kilos d'or. À Hanoï, Ho Chi Minh et son gouvernement sont atterrés. Les Chinois au nord, la guerre avec les Français au sud, la montée de l'opposition contre le Viet Minh, comment faire face? Après tout,
Pourquoi ne pas s'arranger avec les Français? Je préfère flairer la crotte française pendant 5 ans que manger la crotte chinoise pendant 1000 ans, dira Ho Chi Minh. Et voilà pourquoi en mars 1946, les troupes du général Leclerc font leur entrée dans Hanoï, accueillies une nouvelle fois en triomphe par la colonie française. Les Français ne reviennent pas ici comme dans le sud pour reprendre possession d'une colonie, mais à la suite d'un accord signé le 6 mars entre la France et la République du Vietnam. Cet accord a été négocié par un homme, Jean Saint-Denis, un grand résistant, arrivé de Chine il y a 6 mois dans le même avion que le major américain Patty et qui s'est débattu dans l'imbroglio tonkinois, seul contre tous, mais soutenu de loin par Leclerc. Un accord historique. La France est alors la première puissance coloniale à accorder la liberté à une ancienne possession. Elle reconnaît la République du Vietnam comme un État libre, ayant son gouvernement, son parlement, son armée, dans le cadre de la Fédération indochinoise et de l'Union française. La Cochinchine décidera par référendum si elle veut appartenir à cette république. Était-il totalement sincère ce jour-là, le soldat loyal à son pays, le vieux révolutionnaire obligé de composer avec son ancien maître, et le grand fonctionnaire renonçant à son pouvoir colonial? Une situation pas facile, comme en témoigne le premier contact entre le commandant Fonde, qui représente Leclerc à la commission franco-vietnamienne, et M. Giap, qui la préside. Ensuite, il a lié la conversation en me disant: savez-vous que ma femme est morte en prison et que ma belle-sœur a été fusillée par les Français? Je ne le savais pas. Et je me suis dit, je réponds oui. Alors j'ai fait simplement un signe de tête, c'est tout. Je n'ai pas voulu paraître ignorant et j'ai pensé qu'il valait mieux que je le sache. Il m'a dit, mais voyez-vous, ce ne sont pas ces Français-là que vous représentez. Vous, pour moi, vous êtes le Français nouveau. Vous êtes le Français de la Révolution, des droits de l'homme, de la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Vous représentez le général Leclerc, pour nous, c'est le libérateur de Paris. C'est le grand libéral. En effet, le général Leclerc semble bien jouer le jeu. Sur sa voiture, il arbore 2 fanions, un Français et un Vietnamien. Devant sa résidence, il demande une garde mixte, 15 soldats français, 15 soldats vietnamiens. Avec Giap, il va déposer des gerbes au monument aux morts des deux pays. Et il ne refuse pas de saluer le drapeau rouge à étoile d'or. Quelles étaient ses instructions au commandant Fonde? En substance, il m'a dit, il ne faut pas penser que l'on puisse reconquérir le Nord par les armes. C'est exclu, nous n'en avons jamais les moyens. Alors vous restez là et vous défendez les intérêts de la France. Vous tirez sur la corde, autant que vous voudrez, autant que vous pourrez, vous tirez sur la corde. Mais il ne faut pas qu'elle casse. Jamais. Jamais, vous entendez? Mais Leclerc, qui commande les troupes, est coiffé par l'amiral Thierry d'Argentlieu, haut commissaire en Indochine. Celui-ci a quitté la marine pour entrer dans les ordres, où il est supérieur des carmes déchaussés. À la guerre, il a repris du service et rejoint de Gaulle à Londres. Amiral et homme d'église à la fois, il incarne la tradition coloniale de la France en Indochine. Quand il a appris l'accord du 6 mars, il s'est exclamé « C'est un nouveau Munich ». Le 20 mars, Jean Saint-Denis emmène en hydravion Ho Chi Minh, qui fume toujours cigarette sur cigarette, pour rencontrer d'Argentlieu en baie d'Along. L'amiral a étalé son escadre dans ce cadre somptueux,
comme pour écraser le petit homme seul, de toute la puissance et la grandeur de la France. C'est bien mal le connaître. L'entrevue va mal se passer. Ho Chi Minh veut aller à Paris, négocier un traité définitif. On ne va pas à Paris comme cela, répond l'amiral. D'abord, il faut être invité. Quand Ho Chi Minh, escorté par le général Salan, quitte le bord, jetant son mégot à la mer, la méfiance a remplacé la confiance. Ho Chi Minh finira par aller en France tout de même. Deux mois plus tard, il est à Biarritz. Pourquoi Biarritz? Parce qu'il n'y a pas de gouvernement à Paris. Encore une crise ministérielle. Alors à son arrivée, on a dit au général Salan, qui l'escorte encore, « Emmenez-le faire du tourisme au Pays Basque en attendant. » Ho Chi Minh est patient, mais l'atmosphère est lourde. En cours de route, la délégation vietnamienne a appris que l'amiral d'Argentlieu a proclamé une république libre de Cochinchine à Saïgon. Trahison, violation de l'accord du 6 mars, coup de poignard dans le dos. Les jeunes compagnons de Ho Chi Minh sont furieux et veulent repartir. Ho réussit à les calmer et les emmène voir un match de pelote basque. Deux semaines plus tard, le drapeau vietnamien flotte sur l'aérogare du Bourget, où atterrit Ho Chi Minh, accueilli comme un chef d'État par Marius Moutet, ministre socialiste de la France d'outre-mer. Même les tout-petits crient « Doklap, Doklap, indépendance ». C'est d'abord la tournée des réceptions officielles, des garden parties chez M. et Mme Saint-Denis. Le général Salan le suit toujours comme son ombre. Tout le monde se pâme sur le charme de ce Ho Chi Minh, qui ressemble plus à un vieux sage chinois qu'à un méchant bolchevique. Quel chemin parcouru depuis l'époque où le jeune paria débarquait à Paris, il y a 30 ans. Il a déposé une gerbe à l'Arc de Triomphe, et assisté à la revue du 14 juillet dans la tribune officielle, à côté des généraux Delattre et Juin. Puis on passe aux choses sérieuses au château de Fontainebleau. Le président du conseil, le petit monsieur Bidault, démocrate chrétien, a des idées gaulliennes sur la grandeur de la France. La conférence va durer deux mois, deux longs mois d'été. Deux mois de discussions fastidieuses et au fond inutiles. On n'est pas d'accord sur l'essentiel. L'indépendance, les Français refusent de prononcer le mot. L'unité, les Vietnamiens refusent d'abandonner la Cochinchine. Phan Van Dong est sombre. Là-bas, à Saïgon, l'amiral d'Argentlieu multiplie les faits accomplis. On perd son temps, dit-il. Et c'est l'échec. On se sépare en se donnant rendez-vous l'année suivante, mais sans y croire. On ne refait pas l'histoire, mais la France a peut-être perdu là une occasion d'inventer la décolonisation. Oncle Ho n'était certainement pas le grand-père Bonas qu'a voulu faire de lui une légende sirupeuse. C'était un communiste pur et dur. Mais il était venu à la Révolution par patriotisme. Qui sait, il serait peut-être devenu le Tito de l'Asie. Il quitte d'ailleurs Paris comme un regret. Deux jours plus tôt, il a signé dans la nuit un modus vivendi provisoire. Il a refusé de prendre l'avion et part pour Toulon s'embarquer sur un bateau qui met un mois pour gagner l'Indochine, comme s'il voulait retarder l'inévitable.
Cet été-là, la France a manqué un rendez-vous. Novembre 46, Haïphong. C'est ici, dans le grand port du Tonkin, que tout commence. Une affaire de douane va mettre le feu aux poudres. Une jonque de contrebande est arraisonnée par la marine française. La milice vietnamienne va tirer et tuer 23 soldats français. Deux jours plus tard, la marine bombarde la ville. Le quartier annamite est rasé. On a voulu donner une leçon aux Viet. Combien de victimes? 20 000 selon les uns, 6 000 selon les autres. Qu'en pense M. Huy, qui était maire de la ville? Mais le 23, alors, comme le colonel a donné l'artillerie, alors c'est l'artillerie qui a tiré sur l'arrière, parce que nos mains de force étaient en avant. Alors ce sont les civils qui ont beaucoup souffert. Mais le 25, on s'est replié en dehors de la ville. On n'a plus de possibilité pour compter nos pertes en vie humaine. Nous, on a parlé de milliers et de milliers. Avant l'interview, dans la conversation, M. Huy parlait de 1000 victimes seulement. Quels que soient les chiffres, l'affaire de Haïphong n'est pas la cause de la guerre, mais le prétexte. À Hanoï, la tension est devenue insupportable. La population est chauffée à blanc. Les Viet ont mobilisé 50 000 hommes, hérissé la ville de barricades et de chicanes. De leur côté, les Français veulent à tout prix crever l'abcès, par la force. À ce moment-là, chacun est résigné au pire, comme le constate le commandant Fonde quand il va voir Giap pour lui dire « Je me demande si vous êtes pleinement informé. » Je suis pleinement informé. Bah, écoutez, monsieur le président, des troupes, il faut que ça mange, il faut que ça boive, il faut que ça se déplace, il faut que ça respire. Sinon, où allons-nous? Où vous voudrez. Il faut absolument empêcher cette guerre, empêcher l'irréparable. Faites l'impossible. Non, c'est fini. Nous sommes décidés. Notre parti est pris et nous sommes prêts. C'est à vous à faire un geste. Au revoir, mon commandant. Et nous nous sommes séparés comme ça. Le lendemain, à 8 heures du soir, la centrale électrique explosait et la guerre commençait. Les combats de rue dans Hanoï durent 2 mois. Chaque maison a été transformée en blockhaus et communique avec la maison voisine par des trous creusés dans les murs. Dans la campagne, chaque village va devenir un nid de résistance. Dès le début, on s'aperçoit que cette guerre va être longue, cruelle, totale, une sale affaire. La France ne s'en doute même pas. Elle a d'autres soucis, la France, en 1947. Elle ne s'est pas encore relevée des ruines de la guerre. Elle fait toujours la queue devant les boulangeries. Jamais la ration de pain n'a été aussi basse, même pendant l'occupation. D'ailleurs, tous les produits sont rationnés. Il n'y a pas d'essence et tout le monde roule à bicyclette. Alors l'Indochine, à propos, où est-ce au juste l'Indochine? De Gaulle est parti, mais sa grande ombre plane sur la politique française.
La valse des gouvernements de la 4e République a commencé, incapable de définir une politique. Le socialiste Ramadi a chassé les ministres communistes du gouvernement. Et la France, secouée par les grèves, est au bord de la guerre civile. C'est dans l'indifférence générale que les renforts quittent Marseille pour l'Extrême-Orient. Joyeux, car tous volontaires. Ce n'est pas le contingent. S'ils y vont, c'est qu'ils l'ont bien voulu. Sur 150 000 hommes environ, le corps expéditionnaire comptera près de 20 000 légionnaires allemands, des tirailleurs marocains, algériens, sénégalais, jamais plus de 60 000 Français, tous volontaires pour l'Indo. En décembre 1946, Ho Chi Minh et son gouvernement ont quitté Hanoï et fui dans les montagnes du Nord pour y créer un réduit dans la haute région, le Viet Bac. Une fois de plus, Ho Chi Minh, inlassable, organise la résistance. Au début, ce n'est qu'une armée de paysans, de va-nu-pieds. Pour la plupart, ils ne sont pas encore communistes. Ils sont entrés dans la lutte par pur patriotisme, comme l'avait fait M. Huy. Et puis, on a appris à l'école ce que c'est la démocratie. On a appris la Révolution française. Et puis, on a appris l'histoire du Vietnam aussi, la lutte contre les envahisseurs chinois. Il y a aussi l'influence du Front populaire. Alors tout cela s'est agamé et formé en Indiane à moi. Oncle Ho a installé son quartier général dans la forêt, avec son éternelle machine à écrire et ses cigarettes américaines qui continuent de lui parvenir par des voies mystérieuses. Les dirigeants du Viet Minh, sous les ordres de Diap, promu général et chef de guerre, sont de vrais militants bolcheviques. Ils ont éliminé sans pitié toutes les autres tendances. Et au fil de la lutte, ils deviendront de plus en plus purs et durs. Ils inventeront même une nouvelle voie vers le socialisme, la guerre. Tout à côté, des presses de fortune impriment le journal du parti, que des cyclistes vont colporter à travers la brousse. Plus loin, des ateliers artisanaux fabriquent des bazookas, selon le modèle parachuté jadis par les Américains, ou bien des mortiers, sous les ordres d'un ancien élève de l'école centrale qui a suivi Ho Chi Minh depuis Paris, M. Ndiaye. Avant tout, il fallait trouver l'acier. Alors, on peut utiliser le rail de chemin de fer qui existe en milliers de kilomètres, mais la difficulté de transformer le rail en bazooka. Alors, c'est l'affaire de nos forgerons. Tous les forgerons du Nord et du Centre répondent à l'appel du Viet Minh. Ils finiront par produire plus de 500 000 bazookas et des millions d'obus. Grâce à des prodiges de bricolage et d'ingéniosité, comme pour les ailettes de mortier, par exemple. Oh, les ailettes de mortier, alors, c'est surtout les bottes de conserve vite des soldats français. Nous avons dit à la population de rafler tout ça et de nous confier. C'est très dangereux, mais on l'a fait. Aujourd'hui, M. Ndiaye préside l'Académie des sciences du Vietnam. Les services de santé sont organisés et dirigés par un cousin de l'empereur Bao Dai, qui a quitté son bel appartement de Hanoï pour suivre Ho Chi Minh dans la forêt, le professeur Thanh Tat Thung. Par exemple, pour fermer les ventres, n'est-ce pas? Il faut de la bonne suture, des fils, ceci, cela. Alors, n'ayant rien, nous avons pris les fils de parachute que nous avons pris aux Français. Ce sont des fils des nylons américains qui ont été très bien tolérés. Et nous avons, après, nous utilisons, jusqu'à même après la guerre, nous avons utilisé ce matériel pour faire la suture.
Et alors, quand nous manquions de choses, de pansements, j'ai appris, du temps de Napoléon, on utilisait la charpie, c'est-à-dire la l'étoffe, on tirait les morceaux. Nous avons utilisé la charpie, des pansements avec des trucs, des bananes séchées, des feuilles de bananes sèches. On s'est débrouillé de cette manière. Et ça, c'est le système français. Ça, ce qui était bien, c'est que nous avons utilisé le système D d'une façon parfaite. Et là, dans la forêt, nous étions bien adaptés à ce travail. Alors commencent 2 ans de guérilla à travers toute l'Indochine. Une sanglante partie de cache-cache entre l'armée française et les partisans, à travers la jungle, la boue, les sangsues. Les paysans vietnamiens ressortent tous les vieux trucs utilisés depuis des siècles contre les occupants, chinois ou français. Chaque village a ses caches souterraines et secrètes où disparaît la population à l'approche des Français. L'armée française est la plus forte. Mais elle ne peut se déplacer qu'en convoi, solidement protégé, sur la route coloniale numéro 1, baptisée la rue sans joie, à cause des embuscades. Celle de Dalat a coûté 70 véhicules, 82 tués, 150 civils enlevés. La Rafale, le train blindé qui va de Touran à Hué, est précédé par une patrouille de légionnaires. Chacun marche en tête, à tour de rôle. Une fois par semaine, un légionnaire saute sur une mine. Quelquefois, c'est le train. La carte du Vietnam ressemble à une peau de léopard, avec tous les maquis Viet Minh qui s'organisent à travers le pays. C'est la guerre des postes. L'Indochine est couverte de tours et de petits fortins, occupés par 2 ou 3 gradés et une 20aine d'auxiliaires indochinois. On appelle cela la pacification. Ils sont supposés contrôler le village, mais comment savoir qui est ami ou ennemi, qui fait partie du comité d'assassinat, qui va trahir et quand. Ces jonques, que transportent-elles? Des armes, peut-être. Comment deviner un paysage où tout peut cacher un piège? Ces mares, ces bâtiments, ces bois. Et cette femme à bicyclette, là-bas sur la digue, c'est peut-être un courrier du Viet Minh. Où est-ce qu'il va, celui-là, comme ça? Pourquoi se cache-t-il le visage? Et sur la route d'Hanoï, rien de suspect? Vivement la prochaine perme, qu'on aille boire un coup et voir les filles. Tout cela n'empêche pas les généraux d'annoncer que l'ennemi est liquidé, que c'est le dernier quart d'heure. Il n'en finit pas de finir le dernier quart d'heure. Aussi en 1949, Paris envoie le général Revers, chef d'état-major général en inspection. Celui-ci rédige un rapport ultra secret qui tombe entre les mains du Viet Minh. À Paris, on va découvrir des fuites, des pots de vin, des compromissions. C'est le scandale des généraux, un de plus, qui ébranle la 4e République. Le vrai scandale, c'est que le général affirme dans son rapport secret qu'on ne peut pas gagner cette guerre, qu'il faut trouver une solution politique.
Depuis 2 ans, la France discute avec l'ex-empereur Bao Dai, réfugié à Hong Kong. En 1947, dans la baie d'Along, avec le même hydravion et le même croiseur que pour Ho Chi Minh, le haut-commissaire Bollaert avait reçu Bao Dai. Mais une fois de plus, la France tergiverse. Paris a autorisé Bollaert à prononcer le mot indépendance en vietnamien, mais pas en français. Qui croit-on dupé? Quand j'ai lu le protocole, j'ai été un peu refroidi, parce qu'il a repris les termes de ce qu'était le protectorat autrefois. Je lui ai dit non, je ne vous signe pas ce protocole. Il m'a dit, mais il faut bien que je rencontre mon pays, à mon gouvernement, que je vous ai rencontré. Je lui ai dit, prenez une photo de nous deux, puis ça suffit. Il m'a dit, non, ça ne suffit pas, il faudrait que vous mettiez votre signature. Je lui ai dit, si ça peut vous faire plaisir, alors aussi, au lieu de signer de mon nom d'empereur, j'ai signé une tuile, simplement. Ces négociations byzantines traîneront 2 ans avant que Bao Dai décide de rentrer au pays sur la base d'un compromis bâtard en 1949. On aura beau jeu de l'accuser alors d'être un prince mou, jouisseur et sans caractère. Le Vietnam et lui seront toujours en liberté surveillée. Octobre 49, un événement capital que les journaux français annoncent en quelques lignes en dernière page. Mao est élu président de la République populaire de Chine. Les troupes communistes occupent toute la Chine et atteignent la frontière d'Indochine sur 1000 km de long. Le petit Viet Minh, isolé jusque-là dans son réduit du Viet Bac, est adossé maintenant à un pays frère de 600 millions d'habitants. L'équilibre des forces bascule. Dans les camps d'entraînement de Mao, le Viet Minh forme des régiments, puis des divisions, armées, équipées, entraînées par les Chinois. En 1950, Giap lance 10 régiments à l'attaque tout le long de la frontière. Bang! À l'automne, l'état-major français décide d'évacuer Cao Bang et les postes de cette région chaotique et impénétrable où la situation est devenue intenable. Mais les régiments Viet sont en embuscade sur la route coloniale numéro 4, la RC4, qui longe la frontière. Sur chaque piton, légionnaires et tabors marocains sont encerclés et massacrés, ainsi que 3 bataillons de paras jetés dans la fournaise. Près de 5000 hommes tués ou disparus, après s'être battus héroïquement, parce que leurs chefs ont sous-estimé l'ennemi. D'un bout de la ligne à l'autre, jusqu'à Hanoï, c'est la panique, comme au temps de Jules Ferry. La garnison de Lang Son est évacuée sans combat, abandonnant des canons, des milliers de fusils et des tonnes de munitions, de quoi équiper toute une division Viet. C'est un vrai désastre. La guerre d'Indochine a sans doute été perdue militairement ce jour-là. Abandonnant les postes frontières et la RC4, le corps expéditionnaire se replie dans le petit triangle du Delta, bientôt assiégé par 5 divisions régulières du Viet Minh. À partir de 1950, les Viet contrôlent tout le nord tonkin, à part quelques postes occupés par les Français. Mais la France n'abandonne pas. Au contraire, elle envoie en Indochine un chef de guerre exceptionnel qui y fait une entrée fulgurante, Jean de Lattre de Tassigny, baptisé le roi Jean. Magnétisme, imagination, panache, disent ses admirateurs. Mégalomanie, comédie, tyrannie, répliquent ses ennemis. En arrivant à Saïgon, il déclare « Je suis venu ici pour les lieutenants et les capitaines. Désormais, vous serez commandés. » Une gifle pour tous les généraux et les colonels qui sont là. En un mois, il galvanise le moral du corps expéditionnaire. Sans un homme,
sans un fusil de plus, il renverse la situation. Diap, qui a décrété un peu hâtivement le soulèvement général, lance offensive sur offensive contre le Delta. Delattre les bloque toutes, les unes après les autres. Entre-temps, une autre guerre a éclaté entre la Corée du Nord communiste et la Corée du Sud, soutenue par les États-Unis. Face à la Chine de Mao, avec la Corée et Formose, l'Indochine est devenue un des théâtres d'opérations de la guerre froide en Asie. Delattre, en visite à Washington, est reçu par le général Collins et par le président Truman comme un allié et un compagnon d'armes. Plus question de condamner les méchants colonialistes français. Au contraire, le général Collins vient sur place pour les encourager dans leur lutte contre le communisme international. L'aide américaine pour l'Indochine augmente chaque année. À partir de 1952, les États-Unis règlent 50% de la facture et en dollars, ce qui en fait une source de devises inappréciable pour la France. Elle paie cette guerre en francs et elle est remboursée en dollars. Quelle aubaine! La France, pourtant, refusera toujours l'essentiel, des renforts. Alors Delattre va voir Bao Dai. Il faut créer une armée nationale vietnamienne, lui dit-il. Et à la jeunesse, il déclare brutalement « Prenez parti, allez rejoindre le Viet Minh ou battez-vous avec nous. » C'est le nouveau remède miracle, la vietnamisation. Une armée de 400 000 hommes, financée par les Américains, et commandé par le général Hin. Celui-ci est lieutenant-colonel dans l'armée de l'air française, et la façon dont le traite le général Delattre en dit long sur l'indépendance de cette armée. Et il m'a convoqué à Saigon. J'étais toujours un officier français, un uniforme français, et il a commencé par dire « Alors, vous êtes un traître !»« Mais pourquoi, mon général ?»« Alors, vous racontez à Bao Dai des choses contre mon opération. » Il dit, mais je ne suis pas au courant de ce que vous vouliez faire et j'ai dû jouer sérieusement mon rôle de chef de cabinet militaire et de conseiller militaire. Mon camarade né en France, lui, qui était avec moi, a eu absolument les mêmes réactions que moi. Eh bien, nous sommes restés plusieurs heures ensemble avec le... Je suis resté plusieurs heures ensemble avec le général d'armée de la Tétassini. Et quand je suis parti, il me dit... Au revoir, fiston, j'ai confiance en vous. Pour finir, Delattre va entourer le delta d'un mur de béton, ce qui est comme un aveu. Malgré ses victoires, le corps expéditionnaire français ne peut plus reconquérir le Tonkin. Il est comme une forteresse assiégée. C'est dans un de ses postes fortifiés qu'en mai 1951, le lieutenant Bernard Delattre de Tassigny est tué par le Viet Minh. Un fils unique, maintes fois décoré par son général. Coup terrible pour le père, déjà miné par une maladie secrète. Mauvais présage pour le chef. L'Indochine est un piège. Delattre peut gagner des batailles, il ne peut pas gagner la guerre. Comme le constatait un des journalistes qui l'accompagnait alors, Lucien Bodard. Cette vraie victoire de la BDR vient parce qu'une victoire, ça consiste pas seulement à arrêter les gens, mais ça consiste à les poursuivre, ça consiste à les exterminer. Il n'a pas osé les poursuivre et les exterminer dans la jungle. Donc ensuite, les victoires de Delattre ont été de fausses victoires,
et de l'âtre est mort à la tâche. Et après ça, on s'est rendu compte que dans l'immensité de l'Indochine, eh bien, les troupes françaises, même appuyées par l'armée vietnamienne, étaient condamnées. Janvier 52, Delattre meurt d'un cancer. La France le fait maréchal et lui offre des obsèques nationales. Elle lui doit bien cela. Il lui a donné un instant l'illusion de la victoire. Devant cette femme qui a perdu en un an son fils et son époux, la France s'incline. Ses frères d'armes, d'une autre guerre gagnée celle-là, ont tenu à l'accompagner. Eisenhower, Juin et Montgomery. L'Indochine coûte cher, très cher à la France. Pourtant, la guerre continue. Elle va durer 3 ans encore. Qui s'en douterait à Saïgon, où les filles sont jolies, où la vie est facile, où l'argent coule à flot. Tous ceux qui ont vécu l'Indochine à cette époque en ont gardé un souvenir ébloui. L'Indo, Saïgon, la rue Katina, le Continental, ils en ont plein la bouche, comme Lucien Baudard. Saïgon, c'était un chancre, mais un beau chancre, un chancre joyeux. C'était le chantre de la joie. Autour, il y avait la guerre, et même elle était aux portes de Saïgon. Tout à côté, alentour, on entendait les coups de feu, on entendait les canonnades, c'était les postes qui étaient attaqués. Mais cela n'avait aucune importance, ça n'empêchait pas la vie, le grouillement de la vie. Dans tous ces genres de guerres, il y a toujours un endroit où tout le monde se rassemble, où tout le monde bavarde, où tout le monde se retrouve, qui est la gaieté. À Saigon, c'était le Continental. On pourrait passer des heures à écrire le Continental et tout ce qui s'est passé. C'était vieux, crasseux, chaud. C'était... Mais la terrasse du Continental, si on l'écoutait, on surprenait tous les secrets de la guerre d'Indochine. La guerre déverse 1 milliard d'anciens francs par jour sur l'Indochine. Un pactole, multiplié par le trafic des piastres. On l'achète 8 francs anciens à Saïgon, on la revend 16 à Paris. Et on recommence le circuit, sans fin. On dit même que certains partis politiques en France alimentent ainsi leurs caisses. Ce trafic, c'était vraiment la vie, le moteur de Saïgon. Ça amenait la richesse, cette richesse... Tout le monde a profité, y compris les Viet Minh, qui étaient là, mais qui, sauf une période, se gardaient bien de tout terrorisme à Saïgon. Saïgon, c'était leur vache à lait. Cholon, le quartier chinois de Saïgon, où s'étalent aujourd'hui des fresques murales célébrant la force et les vertus de la République populaire du Vietnam, était la capitale de tous les trafics, de tous les plaisirs, de tous les vices, les filles, l'opium, le jeu. Le célèbre Grand Monde, immense casino, gardé par la secte pirate des Binh Xuyen, a été transformé aujourd'hui en centre culturel. Ici, la foule des riches et des pauvres, blancs et jaunes confondus, se pressait autrefois pour s'adonner au vice favori de l'Asie, le jeu. Dans le port de Saïgon, et ça jouait, on entendait les voix des croupières, ces étranges mélopées, et tous ces jeux étaient étranges. Il y avait le Bakwan, il y avait le Taïsio, il y en avait des tas d'autres. Le jeu à l'état absolu. On ne connaît pas le nom. Et le soir dans l'entrepont, quand la nuit se fait complice, les Européens se glissent, cherchant les coussins profonds. Opium, poison de rêve. La chaleur des tropiques, l'argent facile, les filles, le jeu, un peu d'opium et la mort qui plane sur tout cela. C'était ça, l'Indo de papa. Il en reste encore un certain parfum aujourd'hui dans l'air de Saïgon. Je vois la douce image. En plein centre de la ville se trouve le cimetière Massige, le vieux cimetière de la colonie française, où reposent pêle-mêle
les soldats de la conquête, les colons, les victimes des attentats, des massacres ou des guerres, les fonctionnaires morts en service. Et aussi les bourgeois de Cochinchine, dont la France a réussi à faire de bons Français, mais qui ont raté le rendez-vous du nationalisme vietnamien. Abandonnés, profanés par de petits voleurs de marbre ou de cuivre, envahis par les herbes folles, ils servent aujourd'hui de champ de manœuvre aux jeunes filles qui viennent à l'heure du déjeuner faire leur classe à pied et s'exercer au maniement des armes, obligatoire pour tout citoyen vietnamien. La rue où se trouve le cimetière français de Saïgon a été rebaptisée rue de Dien Bien Phu.